Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Quel jour on est? Je sais même pas, jeudi je crois. Mais je suis à fond sur l'ordi là. Je fais une petite pause pour reposer mes yeux. Je vais aller faire un tour et essayer de regarder un peu au loin. J'attends juste que Tanguy revienne, il est parti poster des colis. Et je voulais juste vous faire un petit coucou. J'ai goûté la tarte qu'a envoyé, enfin la tarte, la galette qu'a envoyé Netflix pour qu'on puisse se poser tranquillou et tout devant Lupin. D'ailleurs, c'était très sympa. J'ai vraiment hâte de voir les prochains épisodes. Et mon Dieu, cette galette, c'est la folie. Je suis en train de vous dire, cette part est minuscule. Hier, j'ai mangé une part, allez, 2 à 3 fois plus grosse. Et je peux vous dire que c'était consistant. Franchement, c'est la folie cette galette. Elle est trop bonne. J'avais jamais mangé une galette comme ça. Délicieuse. Si jamais ça vous intéresse, c'est une galette de la maison Aleph. Je connaissais pas du tout perso, mais... Elle est vraiment, vraiment trop bonne. Pas du tout une galette comme j'ai l'habitude de manger. Bref, je vais pas vous faire une dégustation de galette. Je retourne travailler. Je gagne du temps là. Pour vous parler et après je vais aller me promener dans le jardin parce que je suis au bout du Rolls. J'espère vraiment trouver une solution à mes problèmes de migraine parce que sans déconner, 2 mois sans accalmie, ça commence à me fatiguer psychologiquement aussi. Bref, je voulais vous parler de Skin Good Garden. Skin Good Garden, c'est une marque 100% vegan dont je vous ai déjà parlé. Une marque avec une compo vraiment clean, très très bonne marque. Donc j'ai notamment pris ces compléments là, c'est la gamme pure en. Je vais commencer par la gamme pure qui aide à retrouver une peau nette. J'ai commencé, je les ai terminées parce que j'ai commencé peu de temps avant d'accoucher et ça aide tout simplement à retrouver une peau nette. J'avais très très peur de récupérer mon acné. Ça a très bien fonctionné pour moi, ça régule aussi vraiment pas mal l'excès de sébum. Et ensuite le Winter Boost qui est un véritable booster naturel contre les rhumes, contre la fatigue hivernale. Vraiment, si jamais vous avez la peau davantage sèche en cette période hivernale, très très bon complément que je suis en train de finir. Je voulais vous dire, j'ai essayé d'être le plus complète possible, mais de ne pas passer 3 heures à parler. Je sais que c'est chiant, les longues stories. Si jamais ça vous intéresse, j'ai moins 40% et sinon, moins 50% à partir de 3 produits achetés. Je vous affiche tout juste ici et je vous mets le lien. Swipe up. Sous cette neige se trouve ma piscine, les gars. Je crois que le prochain plongeon, il est loin.